Messieurs, dames, ouais, donc soyez les bienvenus au stade de Vélodrome, au stade magnifique du stade de Vélodrome, sur la rue tout le monde est officiel ici, pour l'USOPL rencontre Longnes pour le 4e tour de Coupe de France. Donc il faudra pousser jusqu'au bout pour aller chercher ce 5e tour de la Coupe de France. Depuis longtemps, le USOPL en rêve, donc avançons tous ensemble, tous ensemble. Les enfants, allez, c'est du plaisir. Allez, au kiff, les gars. Dimster, Robin, Monde, Wish, Ballon, Thérapeute, numéro 5, Loïc Loucher, numéro 6, Romain Valande, numéro 7, Thank you.
Allez, allez. Allez, toi, allez, allez. Entre nous, non. Lucas, alors comment t'as trouvé ce match de votre part? Bon, on a été hyper complet sur toutes les phases de jeu, que ce soit défensive ou offensive. On a respecté toutes les consignes et ça a mené 2-0 à la mi-temps et on a su tenir le match. Alors tu mets deux buts, lequel tu as préféré sur les deux que tu mets? Je pense que c'est plus le premier, parce qu'étant donné qu'il est un peu plus beau et en même temps c'est celui qui ouvre le match après quelques secondes, on se met à l'abri. Forcément, je pense que ce sera mon favori sur les deux, quoi. Tu peux me le commenter de mémoire, ce but? Je sais plus, qui fait partir Biquet sur le côté. Après, il fait un super travail. Il me la dépose presque. Il est trop fort. Il me la dépose presque. Et après, je sais pas, je le sens extérieur du pied, opposé. Et elle va au fond, c'est le principal. C'est quoi les sensations alors sur ce but? Ça fait plaisir, étant donné que j'arrive dans le groupe A depuis 2-3 semaines. Donc, forcément, mettre un doublé pour la Coupe de France et faire avancer l'équipe, ça fait super plaisir. C'est un bon joueur, Biquet, hein. Moi j'ai connu quand il était à Arras. C'est ouais, un bon joueur. Ouais. Fantastique, quand on regarde ses performances, c'est que des buts, que des passes D. C'est lui qui me fait les deux passes D, je le remercie et j'espère qu'il va nous amener loin aussi pour monter en R2, ce qui est l'objectif. Et vos ambitions de saison, c'est quoi là avec Brouet au niveau de la R3? Clairement, avec la A, c'est de monter en R2 et avec la B, de monter en D2. Ce sont les deux équipes, on fait un bon début de championnat. La B, deux victoires, la A, un nul, une victoire. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est ça, c'est de faire les deux monter et pour la suite et la saison prochaine. Merci à toi et bonne continuation. Merci, merci. Ils ont respecté les consignes. Voilà, c'est une récompense. Hein. De toute façon, c'est un travail depuis 4 ans. Aujourd'hui, quand on voit l'équipe de Brouet aujourd'hui, elle mouille le maillot, comme les Brouésiaisennes. Enfin, c'est une belle équipe. Hein. Enfin, je pense qu'on les a pris très au sérieux. Et voilà, on a été efficace. Hein. Je dirais que la qualification de Brouet est méritée. Ils n'ont peut-être pas eu beaucoup plus d'occasions que nous, mais en tout cas, ils ont su concrétiser celles qu'ils ont eues en début de match. Ça nous a pénalisés. J'ai un gros regret sur ce match, c'est cette intervention très agressive au bout du nid d'un défenseur de Brouet qui blesse mon attaquant. Et Brouet aurait dû se retrouver à 10. Le match aurait été autre. Maintenant, c'est une décision arbitrale, il faut l'accepter. Donc derrière, on n'a sans doute pas mis les ingrédients d'agressivité pour un quatrième tour de Coupe de France. C'est pas la priorité la Coupe de France, c'est du bonus dans une saison pour un club de R3. On va continuer à travailler, on va se refocaliser sur notre championnat, sur le travail qu'on a à faire la semaine. Et puis on va rebondir dès le prochain match à Pic. C'était quoi votre plan de jeu au coup d'envoi? Vous essayez de repartir au sol de derrière quand même, j'ai cru comprendre. C'est notre manière de faire, c'est notre manière de jouer. On essaye de repartir, de jouer au football, de créer des décalages à travers du jeu de passe. On a su le faire jusqu'aux 30 derniers mètres et c'est là où on a pêché aujourd'hui. Alors qu'habituellement on arrive à se créer des situations. Encore une fois, mon joueur le plus décisif se fait attraper d'entrée, donc il est plus dans l'efficacité qu'il connaît. Et ça nous a déjoué, donc c'est sans doute une consigne adverse d'être agressif sur un joueur important. Ça a été bien fait et ça n'a pas été censuré, donc c'est comme ça. Vos ambitions de saison, c'est quoi du coup pour le championnat? Les ambitions, la saison dernière, à la période d'arrêt des championnats, on était quatrième, donc on veut faire mieux. Pour faire mieux, il reste plus 3 places derrière pour faire mieux, donc on essaye de travailler pour ça, on a un groupe qui est profilé pour ça, mais non, on a un groupe qui est très costaud, avec des équipes qui sont ambitieuses aussi, donc on va essayer de bien figurer dans ce championnat.
Grosse satisfaction du collectivement de l'équipe, qu'ils ont joué un match de Coupe de France. Et puis voilà, je suis content pour eux, je suis fier pour eux parce que c'est une récompense depuis un travail de 4 ans. Et voilà, et en plus de voir la tribune comme vous avez pu voir aujourd'hui, ça fait plaisir de revoir autant de monde à l'USOBL. C'était quoi le plan de jeu au départ au coup d'envoi? En fait, on a joué sur un 4-3-3, hein, on jouait avec des ailiers, hein, débordement, et puis voilà, je savais qu'en face ça jouait en 3-5-2, donc mettez de la rapidité sur les côtés à la récupération de balles. On leur a fait mal et puis on a été efficace, hein, dès l'entame de match, tout de suite, des matchs de coupe, quand on marque, voilà, ça donne du baume au cœur. Hein. Il y a dans votre équipe un ancien, Rajo, parce que j'avais déjà filmé, il a encore de bons restes, comme on dit. De toute façon, c'est ce qu'on cherchait. Hein. On a une équipe qui est bâtie là depuis 4 ans. On n'a pas fait un gros recrutement, mais on a fait un recrutement judicieux avec de l'expérience. Un garçon comme Sébastien Bernard, avec les jeunes autour de lui, voilà, ça crée. Voilà, après, ça passe ou ça passe pas, mais là je pense que depuis le début de saison, ça montre qu'on ne s'est pas trompé. Et c'est quoi vos ambitions de saison du coup? Alors nous, l'ambition, c'est clair, hein, c'est la R2, hein, c'est le championnat. Hein. Là, la coupe, c'est un petit plus pour faire parler du club. Mais moi, l'objectif, c'est de monter en R2 la saison prochaine. Merci beaucoup. Chalet brûlé, chalet.